Bonjour, c'est Louise, je suis là avec Emma, nous sommes nouvelles sur la Web TV. Bonjour. Pour le retour de l'émission Eco-Info. Pour ce deuxième numéro, nous allons parler de la pollution des déchets et des moyens de lutter contre que nous avons mis en place au collège. En premier, il y a la collecte des piles usagées. Cela permet d'éviter d'être tenté de jeter ces vieilles piles n'importe comment. En les apportant dans le conteneur du collège, on est sûr qu'elles seront envoyées à une association qui va les recycler. Ah mais c'est génial! Et en plus, à côté du conteneur pour les piles, il y a un conteneur pour les bouchons en plastique, comme ceux des bouteilles d'eau. Tout comme les piles, ils seront recyclés pour devenir d'autres objets en plastique. Ça vaut vraiment le coup de les apporter! Maintenant, parlons des cartouches d'imprimantes. Elles polluent beaucoup si on les jette simplement à la poubelle. Oui Emma, mais heureusement, on peut aussi recycler au collège. Au CDI, il y a un grand carton spécial où on peut les déposer. En plus, on peut gagner des badges. Au moment de la première cartouche, on a un badge vert, le label nature. Cool, et si on en apporte plus? Au bout de 5 cartouches, on a un badge bleu, le label planète. Et au bout de 10, on en a un de couleur violet, pailleté, le label étoile. Et en prime, pour avoir eu ces trois labels, on a le badge du collège. C'est vraiment sympa ces badges. Un autre truc très sympa est l'opération. Adoptez-nous. Tous ceux qui ont des affaires scolaires qui n'utilisent plus peuvent les rapporter au CDI ou dans la salle de Madame Cheftop, où d'autres élèves pourront les récupérer quand ils en ont besoin. Encore une super initiative! Et voilà, l'émission est finie. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like, commenter, vous abonner. Et même activer la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Bye!